Sand Bravo, on capte 70 échos dans votre secteur. Veuillez vérifier. Très drôle, station. C'est négatif. Terminé. C'est sûrement un module ACS qui déconne, chef. Sand Bravo, ouvrez l'œil. Je vais lancer un diagnostic du matériel. Le ciel est dégagé, station. Il doit s'agir d'échos fantômes. Terminé. Zulu X-Ray 6, on capte une centaine d'échos dans votre secteur. À vous. Négatif, station. Rien au radar. Je sais pas quoi vous dire. Des interférences solaires? Ça tape dur aujourd'hui. Sierra Delta, c'est peut-être l'ACS qui débloque, mais vous avez quelque chose de votre côté? À vous. Sierra Delta, répétez. Il y a des chasseurs au-dessus de l'I-95. Comment ils ont fait pour passer? Attendez, je tente de contacter l'unité la plus proche dans le secteur. Je vous reçois. Premier bataillon du 75e régiment. Sergent Follet, unité Hunter 2-1. Est-ce que vous me recevez? À tout le personnel. La surveillance satellitaire est interrompue. Les systèmes SOS-US et PAVCO sont actuellement en service. Là ça y est, c'est la guerre hein. Oh la merde. Overlord, ici Hunter 2-1. Je demande un appui aérien terminé. Hunter 2-1, tout l'appui aérien est déjà mobilisé. Des renforts au sol se dirigent vers votre position, mais font face à une forte résistance. Terminé. Bien reçu, Overlord. Attention, on est tombé sur un blindé ennemi et on est à pied. Terminé. Ici Overlord, bien reçu. Bonne chance. Terminé. Sergent, le QG nous dit d'aller nous faire foutre? Plus ou moins, caporal. J'ai repéré Raptor. 300 mètres à l'est. Ne tirez pas. N'attaquez pas le BTR. Ça sert à rien. On ne nous a pas repéré. Prenez à droite et restez derrière lui. Je vois de la fumée qui provient du lieu du crash. On va lui emboîter le pas. Utilise tes grenades fumigènes. Donne, Morgan, couvrez-le. Section, envoyez une grenade fumigène vers le BTR. Cible à 12 heures. Ouais, je veux vous finir. Pas de grenade, hein. Profitez de la fumée pour passer le BTR et foncez dans l'allée. On voit rien, hein. Donc ça y est, les Russes ont envahi les space. Et ça va être une guérilla urbaine. Cadeau, j'en veux pas. Waouh! Putain, il y a une roquette qui a été dans. Ah ouais, bah on avait eu, hein. Il est où ce bâtard? Thank you.
Ah, elle est bien cette arme, alors il n'y a pas de balle, hein, donc chargeur. Ça vient un petit McDo là. Avec moi. Allez, allez, allez. Ennemi à couvert sur le toit du Burger Town. Cible en vue. Putain, le BTR. Ça va, c'est nos potes. Pour une fois, j'ai pas tiré sur un allié. Ramirez, va jeter un coup d'œil à ce matériel sur le toit. Okay. Ok. Et pour les armes anti-chars et l'appui aérien. Faites gaffe les gars, les camions arrivent au sud. Je la suis. Oh, ça, je sens que je l'ai mis comme arme. Les masters, progression avec des fumigènes. Section, ici Hunter 2-1. Utilisez vos lunettes thermiques si vous en avez. Attention, plus de 20 soldats arrivent par le sud. Le toit, ils sont où? Notre toit là? Attention, ennemi en or! Moi c'est 5 sur 5! Non mais il a pris une bague et il était pas censé sur nous. Contact au nord! Section, contact au nord! Ok. Section, faites feu vers le nord! Contact à 12 heures! Ok. Prêt à l'écran, au nord! Ennemi sur le toit! Reçu! Utilisez vos lunettes thermiques si vous en avez. Merde, ils sont passés. Très bien, cible verrouillée. Ennemi sur le toit derrière nous. Oh là là. C'est compliqué, une fois qu'ils sont sur le toit... Bon, tant mieux, hein, parce qu'on commence à être débordé. Oh là là. Oh là, allez, je vais peut-être rester à l'intérieur là parce que on voit comment.
Au début, je voulais sortir, mais mauvaise idée. BTR. Non, mais mets-toi pas devant, toi, là. J'adore cette arme. Ça me fait penser au M4A1 de The Division, mais ce serait bien la même arme, hein, vu la forme. C'est de la même famille. Putain de... Ah là là, il va. Est-ce qu'il en reste ? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il vaut mieux. Oh là, j'entends parler russe là. Défoncer. Alors. Détruire. Là, il est pas mort. Non, ça, c'est mon pote. Et avec quoi? D'accord. Ah, excellent. Ah, ça, j'adore. À la boum. Ça, c'est le kiff. Ok. Ouais, bah, on y retourne. Il y a du monde qui arrive, hein, par contre. Continuez comme ça. Bon boulot, les gars. Regroupez-vous par ici. Putain. Ouais, mais il y a... Il y a un peu de monde trop bien. Oh la gueule du bâtiment! En face. Ouais. Cette mission a vraiment une saveur particulière parce que déjà elle est plus longue que les autres et il y a une vraie construction entre. Au début on débarque dans le merdier et franchement, on finit au bout de 5 minutes à oublier tout ce qui se passe autour de nous, on a fond dedans. C'est vraiment énorme. Putain, pas assez de balles dans cette arme. Grenade. Non, ça c'est les potes. Attends, on rentre à l'intérieur. Il y a de la fumée partout. Merde, putain. Restaurant de tacos. D'accord, c'est... Ah, il est là, j'avais pas vu. Putain. Ça arrive de par là. Section, j'ai atteint la chambre
soldats ennemis approchent de votre position par le nord. Ok. Terminé. Utilisez les missiles prédateurs téléguidés. Je vous y arrive. Ok. On est dedans. Ah, ça j'adore. Putain. On n'a pas le temps de. Ouh, ça va faire mal. Bon sang, ça en fait au moins 10 de plus, Hunter 2. Ouais. Joli tir. On y retourne. Au moins 5 ennemis tués. Bon boulot, Hunter 2. On les entend mais on les voit pas. Oh là là, tiens, ça me tire dans le dos. Foiré. Tiens, du RPG. Maintenant. Il arrive. Oh bon Dieu. Putain. Alors. Oh bordel. Hunter 2, ici Overlord. Un important groupe de renforts ennemis se trouve au nord de votre position. Terminé. Non, c'est mon pote. Oh là là. Hunter 2, Goliath 1 signale un hélicoptère ennemi lourdement armé qui se dirige vers votre secteur. Terminé. Dépêche-toi, Fred.
l'escalier. Enfin, escalier, l'échelle plutôt. Oh là là. Ça c'est quoi, c'est nos blindés ou... Oui. Faites plaisir. C'est pas une caisse de mine là. Copier le contenu de la CS. Ils ont la clé de tous les coffres en Amérique. Et ils ripostent pour chaque civil tué à Moscou. Je crois que nous n'avons plus d'amis. Je connais quelqu'un. Trouvons une cabine téléphonique, si ça existe encore. Tout ce qu'on a pu tirer de Rojas, c'est que le seul type que Makarov ait plus que les Américains est bouclé dans un goulag. Mettons le paquet. Si ce tolard est lapin pour attraper le psychopathe, pendons-le à un arbre. Un Nick Froloir de retour au Brésil. Ils doivent être 200, devant et derrière nous. On va devoir batailler pour arriver à la Zeda. En route. Et ouais. La rue s'occupera de lui. Ça me va. Nikolai, on est en route de la favela et serre-moi par la police. Ramène-moi au marché. Tu me reçois? Ok, mon ami, j'arrive. Tout le monde se tient prêt. On y va. Belle mise au sol, trois vents. Jusqu'à l'hélico! Passez la porte qui donne sur le marché, allez! Contact! Ils sont en mouvement! Et ils arrivent très vite par le sud! Ennemis en approche au sol, au sud-est! Ennemis sur le front, ils sont en jaune d'un état! Changer notre G36 pour un UMP, j'ai l'impression. Oh putain. On est un soutien, ouais. Mais... Fait que ça. Avec sa M60, vaut mieux le buter tout de suite. Hein. Voilà notre véhicule, foncez vers le point d'extraction. Allez, allez, allez.
Occupez-vous d'eux. M'étonne qu'il voit rien. Il est pas le seul. Il est bien là, on est caché. Putain. Je reste pas là, moi. Ok. Ouais, j'ai vu ça. On va parler d'un balcon. Premier étage. Par là. C'est passé par là. Oh putain, grenade. Des étages partout, les gars. D'accord. Mais quel coup de gorge. C'était peut-être intéressant, ça. Quand ça va dégénérer. Alors. C'est bien, ça arrive. La direction. Ça hallucine dans le nombre de ruelles. Putain.
putain, il y a du RPG. Grenade. Merde, les poulets, désolé. Cadeau. Cible sous le haut vent avec les bandes blanches et rouges. Les gars, on se déploie et on commence à marcher. Piège en règle. Allez. On charge. Et des fois les mecs ils survivent, je sais pas comment ils font avec une arme comme ça. 3-4 balles à bout portant dans le torse, ça tient des fois du miracle. Il y en a un qui m'a défoncé là. Non, désolé, Maktavich. T'es généreux, mais pas avec les bonnes personnes. Pas le terrain de boutique, sinon. Je peux grimper moi. Allez, allez. Ouais, on sait, merci. Prépare-toi à nous récupérer. Problème, y'a plus de toi. Une putain de scène, hein. Oh là là, ils sont partout.
C'est puissant, hein. Éteignez-moi cette télé de malheur. Ma force d'intervention est à l'étranger. Je commanderai votre unité, sergent Follet. Bien, monsieur. À vos ordres. J'ai réquisitionné un striker de la 8e blindée. Les Badger est un coriace, général. Il vous ouvrira la route. Les Russes bousillent nos défenses et nos renseignements. Ils ne doivent pas prendre ce coin. Montrez-le-moi sur la carte, monsieur. Ils ne le prendront pas.